D5 alors. Pareil pour toi aussi, tu cherches pas cette balle tête. Allez. Comment? Toi tu cherches pas, tu mets une balle. Vas-y, parle moins vite. Tu parles à ta mère ou quoi? On comprend rien, ce que tu racontes là. Bonjour tout le monde, un test de serveur aléatoire, on va simplement filtrer français. Allez, français, hop. Et nous avons décidé d'aller sur un de ceux-là, on va prendre le troisième. Velocity, on l'a fait, Unity, je peux pas rentrer. Un gros serveur, mais malheureusement, je peux pas rentrer dessus, je sais pas pourquoi. Ça bug simplement, je suis pas créé de perso. Et le troisième, c'est Modern Life, ok. 96 joueurs, venez seulement si vous avez envie, si vous en avez envie. Ça semble aguicheur, allons-y. Comme d'habitude, nous commençons cette vidéo en voix off. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on a fait dans cette vidéo? On a rencontré pas mal de gens. Il y a des gens sympathiques, etc. Vous allez également voir l'ambiance serveur. On a regardé un petit peu les moddings, hein, globalement, du serveur, des bâtiments principaux, EMS, LSPD, comme on fait d'habitude. On a vu donc un petit peu l'ambiance qui régnait. On a bien rigolé avec certains joueurs. Il y a des joueurs qui sont sympathiques. Je vais vous laisser vous faire une opinion de toute façon. Le téléchargement des mods et la fluidité du serveur, ben on n'a pas grand-chose à dire, hein. Ça s'est relativement bien passé. On a pris un ou deux petits freezes, mais globalement, on a quand même affaire à un serveur qui est stable, à savoir qu'on était quand même qu'une centaine de joueurs. Alors, Mickey pour le nom, et qu'est-ce qu'on va mettre comme prénom, l'inverse plutôt. Voilà, Mickey Jordan, ça vous parle ça? Voilà. Je suis Mickey Jordan, choix du sexe, alors ce truc à la con, hein, où faut choisir tes souches de la famille, je déteste ça. Bref, on va le faire quand même. Ok, ça va loader. Alors on va regarder les coupes de cheveux. Moi je me souviens que ça, j'ai bien rigolé. Celle-là, j'ai failli la prendre. Celle-là aussi d'ailleurs. Voilà, elle était pas mal, puis j'en ai choisi une autre, vous allez voir ça tout de suite. Celle-là. Celle-là, j'ai trouvé exceptionnelle quand même. Hein. Donc je me suis dit, tiens, je vais la prendre, et puis on va jouer un peu avec ça. Pas de problème particulier pour créer le perso, après je n'ai pas cherché à faire quelque chose de poussé, si ce n'est le nez, mais vous voyez, mon nez, il reste à peu près normal. Bon, bah tant pis. Ok, on se retrouve in-game, on apparaît dans l'appartement, bah ouais, encore une fois, on est TP, et on se retrouve in-game. Oh, Drag, comment tu vas? Ouais, Gigi, comment ça va? Ça va, je m'appelle Mickey, là, attention. Ah, c'est... Oh, ah, pardon, Mickey. C'est écrit Ouais, il part pas le truc à choix du type aucun illégal, légal business, c'est quoi? Illégal, ouais, un scooter, une batte, 250 000 d'argent sale, 50 000 de liquide, de... ouais, c'est... D'accord, légal, hein, une panto, ouais, c'est bien. C'est bien d'avoir une panto aussi. 50 000 en banque et 100 d'XP. Et en business, on a un BF400. C'est bien ça, un BF400, c'est une petite mobilette, ça, tu vois? Non, c'est une belle moto, le BF400, quand même, attention. Quoi, c'est une mobilette, c'est pas une moto. Non, c'est une moto. 300 000 en banque, BF400, c'est une moto. L'XP, je me pignole, mais le 300 000 et la BF400, c'est mieux qu'une Bista. Moi, je prends le business. T'as pris quoi? Moi, j'ai pris business, mec. Tu me connais, je suis un businessman. Pourquoi tu me copies? Comment ça, c'est toi qui me copies? Je sais d'abord, qu'est-ce que tu racontes? Mais je viens de te dire, je prends business. T'as pris quoi? Tu me réponds, j'ai pris business. Tu ne me dis pas que tu fais pas exprès, tu me copies pas, putain. Mais moi, ça fait 30 ans là, que je l'ai, ma putain de truc là. Qu'est-ce que tu me racontes? Comment ça, 30 ans? T'as même pas 30 ans. Ouais, je t'attends tout à l'heure là. On est chez le coffre en train de faire ta coupe de merde là, regarde ton truc là. Quoi? Regarde comme je suis beau mec. Mais qui ressemble à rien, qu'est-ce que tu me racontes? Mais t'as vraiment aucun goût toi. Regarde, hein, même que les barres là-bas qui passent un peu plus loin, il est plus beau que toi. Non, hein, allez, putain. Allez, c'est bon, des gens comme toi j'en veux plus. Allez, on va voir s'il y a des gens intéressants dans cette ville. Hop, filtre aucun, c'est quoi ça? Sortez-le. Vas-y, on aurait dû prendre qu'une bécane parce que si on se crache, non? J'ai pas entendu le début. On aurait dû prendre qu'une bécane parce que si jamais on se crache, non? Qu'est-ce que t'en penses? Bah tu peux la ranger là à droite. Là à droite, ta droite. Ah salut mec! Derrière toi à droite, tu peux la ranger si tu veux. Tu veux que je la range ou quoi? Bah tu me dis tu veux une bécane et après tu me dis... Ouais viens on prend que... Vas-y je monte avec toi, allez. T'es mon pilote, de toute façon, t'es mon pilote attitré. Vas-y, approche-toi du mec, là. On va lui demander s'il a pas de l'argent, on a rien. Mais... Eh, mec ? Mec ? Oh, Jésus ! Oh, Jésus ! C'est Jésus ! Ouais. Comment tu vas, Jésus ? Ça va ou quoi ? Bien, et vous ? Bah, ça va, impeccable. Dis-moi, c'est vrai que ta mère était vierge ou ça s'est passé comment, réellement ? Aucune idée. D'accord. Eh, tu peux pas nous dépanner, là ? Dépanner quoi ? Je viens d'arriver, moi.
Bah justement, c'est pour ça, nous on est en, nous, on est en ville depuis plusieurs semaines, tu vois, on a plus de thunes, donc on demande aux gens qui arrivent. J'ai zéro, hein. Mais non, t'as 300 000, tu viens de recevoir 300 000. J'ai pas commencé encore, j'ai pas commencé. Prends le pack, on va te conseiller. Faut que tu prennes le pack, quel pack ouais. que tu prennes, là Le légal, c'est le mieux. Le légal, c'est le mieux pour toi. Ouais. Où tu vas? Pourquoi tu te baisses? Jésus, il fait prier. Pas de, je suis pas tenu du mal, tu vois. Fais quoi? Jésus, t'es là ou quoi? Comment t'es? Ouais, je suis là. Vas-y, tu peux nous prêter 150 000? Ah non, c'est trop. Attends, tu nous prêtes 150 000, je te les rends tout à l'heure, je te rends 300 000. Qu'est-ce que t'en penses? Vous allez jamais revenir. Mais comment ça va pas revenir? On se donne rendez-vous ailleurs, non, t'as raison, non, il a raison. Je vous connais même pas. Attends, mais tu nous connais pas, je te donne ma pièce d'identité si tu veux, qu'est-ce qui t'arrive? L'arnaque, c'est interdite, hein. Et c'est pour acheter un flingue, il nous manque un flingue. Et je dois buter le mec qui a tiré ma meuf, tu comprends ça, toi, tu vois, ta mère était vierge, mais tu vois. Tu peux pas avoir un autre flingue? Ben non, je peux pas avoir, le mec il me le vend 470 000, tu vois. J'ai 320, et là je vais attaquer une banque pour récupérer le pognon, et hop, à moins que toi tu me donnes l'argent. Pour acheter le flingue, ah tu vois, ouais. Le flingue, j'attaque la banque, je te rembourse. La banque, je sais comment la faire, j'en ai déjà fait 7-8. Et 7-8, je me suis fait arrêter que 7 fois, il y a une fois j'ai réussi, tu vois. Et ça presse, là. C'est énorme. J'ai pas de téléphone, j'ai rien. Ouais, ça c'est pas grave, que t'as pas de téléphone, je compte pas t'appeler, hein. Tu reviens pas, du coup. Mais si, on se donne rendez-vous dans une heure, sur la place publique, qu'est-ce que t'en penses? Pour le show, on va t'habiller là, tu ressembles à rien, on dirait un clochard, vas-y, casse-toi, on est avec Jésus là. Quoi? Va plus loin, tu vas bien qu'on discute avec Jésus! Vas-y, ta gueule. Voilà, vulgarité tout de suite. Jésus, tu ouais, prends de l'argent quoi. Ou quoi? C'est pas là pour sortir le véhicule, Jésus, c'est pas ici, c'est l'autre côté. Ok. Bon, Jésus, mais un peu moins. Combien tu nous prêtes? Attends. 149 000? Non, mais. 148? Allez, vas-y, tu nous fais à 100 000, Jésus, qu'est-ce que t'en penses? 100 000, je dis à tout le monde que ta mère était vierge, je confirme. Je dis que je t'ai rencontré et tout, qu'est-ce que t'en penses? Je m'en fous. Bah attends, Marie, tout le monde, toi, tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que t'en penses, 100 000? T'as 300, de toute façon, t'en as rien à foutre, tu vas rien faire avec. Bon, au pire, on coupe la part en deux et ça fait 75 000. Qu'est-ce que t'en dis? Chacun, tu nous prêtes 75 000 chacun, ça te fait 150 en tout. Non, 100 000. Comment on fait? 100 000? Oui, allez, oui. Ça va. Non, garde-les, t'es gentil, mec. En fait, je t'explique, mec, on fait un truc, t'es vraiment trop gentil. On fait un truc pour une chaîne vidéo, tu vois? Ouais. Voilà, et on voulait juste t'interroger, voir si tu marchais ou pas. Allez, bonne soirée, mec. Ok. Bonne soirée, merci, bleu. En tout cas, t'es gentil. Allez, à plus tard. Ok, bonne soirée, les mecs. Ciao, mec. Mais non, jamais leur donné. Si, mais t'es sur un pont, tu connais rien, toi, gentil, méchant. Comme ça, je connais rien. Arrête de rouler en roue arrière, tu me donnes le. Je vais vomir, hein. Mais c'est pas grave, ça. Ah, toi, les mecs en bleu, là. Non, attends, monte pas. Fais gaffe, faut qu'il y en bleu, là. Vas-y, un coup les fillettes. Mais je sais, là, ils sont. Non, mais là, j'arrête. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Oh, qu'est-ce qu'ils font tous habillés en bleu? C'est une équipe de foot. Ouais, voilà, on est parti. Petit problème, t'arrives pas à monter dans le véhicule, là. Viens, oh merde, dégage, j'ai 6 appels. Il a accroché là, ils sont gueux dans son truc. Ouais, dépêche-toi, viens vite. Oh, l'équipe de foot là, non? On aurait dû prendre un autographe quand même, non? Tu penses? Rentre pas avec ta moto dedans. Non, mais j'allais pas rentrer quand même, putain, tu m'as pris pour qui là? Je sais conduire quand même. Ils sont les mecs en bleu là, ils sont plus loin là-bas. Vas-y, planque la bécane parce que. Bah, on peut la fermer, je crois. Qui part. Vas-y, on va lui demander si on cherche du travail, on va lui dire. Ouais, je peux la fermer, tu vois. Ah, tu peux la fermer donc ça va. Bah oui, elle est à moi. Pourquoi tu parles si tu peux la fermer, qu'est-ce que tu dis? Mais c'est moi, je t'ai dit je peux la fermer, après tu me dis cache-la, mais je t'ai dit je peux la fermer, pourquoi tu me crois pas? Je te crois, mais tu me dis je peux la fermer, après tu parles. Est-ce qu'il y a un mec, un EMS ici? T'as fait sombre ici quand même, oh là, d'un coup il va. L'hôpital, c'est du standard, hein. Je dis ça comme ça, mais c'est du standard comme l'hôpital. Ouais, tout le monde le connaît celui-là. En même temps, il est bien cet hôpital. Je veux pas dire, mais il est bien. Ouais, c'est un classique fiable quoi. Ouais, viens voir s'il y a un mec qui se fait opérer ou quoi. C'est ouvert. Yo, les médecins. Ils n'ont pas trouvé, je pense. C'est bizarre parce qu'ils sont partout, quoi, mais bon. Alors, il y a une pièce stérile ici. Ah, bah là, du coup, elle est plus stérile, là. Il y a tout ce qu'il faut, là, pour t'opérer. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est toi qui as besoin d'être opéré, t'as vu ta gueule, mais t'as besoin d'une chirurgie esthétique, là. Mais attends, je suis beau comme tout, tu connais rien à la beauté, toi, t'as aucun goût. Tiens, regarde, il y a quelqu'un, là. Où? Bonjour, monsieur.
Bonjour monsieur. Monsieur. Je me présente monsieur. Monsieur. Lui c'est Dr House. Il est là pour vous soigner. Monsieur. Ah, je crois que c'est pour ça qu'il est là, je crois qu'il est bien en fait. Ouais ouais en fait il est pas bien. Ah ouais bah, il est pas bien du tout là. On le porte, on le met dans une poubelle, non? Ouais ouais, je sais pas si on peut le porter. Il est... Vous êtes actuellement dans une zone sécurisée écrite en bleu, ça c'est... Ah ouais, ça, c'est ouais je peux pas. Tu vois, je vois d'où ça vient moi ça, hein. Ça c'est du... Ouais ça c'est simple. Mais par contre, je peux pas le porter juste parce qu'on est dans la zone sécurisée, c'est mal fait ça. Ouais, bah écoute, c'est comme ça hein. Bon bah écoute... Attends, je vais tester un truc aussi. Bien. Quoi? Les marabounas là, viens on va voir les marabounas, les mecs en bleu là. Ah. Allez c'est parti. On va essayer de chourer une bagnole, non? Tu fermes ta moto, on chourre une caisse. Non, au marabouna ou un truc comme ça. Vas-y. Moi j'ai créé une guerre de gang, mec. Attends, viens, on passe chez les flics avant. Attends, attends. Wow, wow. Putain. Viens, on va le voir. Oh, ça va, tranquille. Ça va, tranquille, bon, bah okay. Ouais. Ça va, tranquille, le mec, il te dit. Viens, on peut monter dans l'ambulance ou quoi? Autrement, on prend une ambulance. Hein. Ouais, c'est non, je pense pas qu'on puisse, hein. Mais pourquoi on a eux interagir? On peut sortir une ambulance, mais déconne pas. Ah non, tu peux sortir ton ta BF ici. Ah t'as vu, ah ouais. Tu peux marcher, mais t'es verrouillé dans le garage. Bon, déjà il y a une verrouille, c'est déjà pas mal. Attends, je vais tester. Ouais, vas-y. Bah vas-y, alors si tu t'es, je regarde. Ah non, je peux pas démarrer, ça me dit que je peux pas démarrer. Ah bon, pourquoi? C'est pas mal ça aussi. Ah ouais, un système de sécurité t'empêche de... Ouais, c'est bien, c'est pas mal. Il y a du positif quand même sur le serveur là pour l'instant. On peut rentrer dans cette voiture, elle est fermée. Bon, il nous faudrait des kits pour ouvrir les bagnoles pour projeter. Ouais, ce serait pas mal, ouais. Le best rouilla. Ouais, mec. C'est mon moto, ça, je le reconnais, ça. Non, c'est ma moto. Non, 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 c'est ma moto. C'est ma moto. Le best rouilla. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es mis un pétard sur la tête, t'es éclaté, toi, quoi? T'as vu la tronche que t'as, enfin, la coiffe? Et tu vas te comer le chino, là. On dirait que t'as une araignée sur la tête, mec. C'est vrai, fait un peu tarentule, quoi, tu vois. C'est bien, moi, je suis une tarentule. Je suis un peu le Spider-Man de la... Pourquoi t'as les cheveux blancs, toi? Pourquoi t'as les cheveux blancs d'ailleurs? Ouais, j'avoue, mec. Ouais. Mais après, je peux savoir pourquoi t'as les contours. Pourquoi je peux savoir pourquoi t'as les contours faits au katana avec une queue? C'est un gradende. La queue, c'est pour quelqu'un de ta famille, je te dirai pas qui. Et les contours faits au katana, c'est autre chose. C'est lui qui me coupe les cheveux, c'est mon coiffeur. Ah ouais, non, mais mec, mais là, il te fait les contours au fer à cheval. Là. Et tu le payes combien là? Pour faire ça? Il me prend 1500 balles. 1500, il me prend. C'est pas cher, si? Qu'est-ce que t'en prends? 1500. Ouais, 1500. Ah, il utilise des couteaux en or massif là. En quoi? En or massif. Non, platine. Or massif et plaqué platine aussi. S'il te plaît. Et ton gel, il est en diamant peut-être, non? Non, le gel, s'il était en diamant, ce serait dur. Du coup, tu pourrais pas l'étaler. Donc, non, logiquement, non. Et... Ah, tu me prêtes ta moto pour essayer? Voir un peu la peste? Non, bon, t'inquiète pas, c'est pas nécessaire. T'as pas une voiture toi? Non, j'ai pas de voiture. Non, je te demande, tu prêtes ta moto, je suis à pied. T'es à pied? Ah mais moi je suis à pied aussi du coup. Bah j'ai été condamné par le juge et ils m'ont saisi la bécane, paraît que je roule trop vite en ville. Bon enfin bref. C'est une nouveauté de la ville ça. Tu me prêtes ta moto là? Attention. Bon bah on bouge hein. Ah, on y va. Vous ressemblez tous les deux, vous avez un air comme il y a quelque chose. Il y a un truc de famille non? Je sais pas, il y a un truc de famille, allez viens en bouche. On redescend en ville. Allez c'est parti, on y va. Bon salut voilà. Les gars, hein, bonne soirée. Bonne soirée. Tu les vois là derrière en train de se rentrer dedans, je sais pas ce qu'ils font. Non je regarde pas. Voilà. Ça se permet de retourner, j'ai un peu peur. Ah tu fais bien là. Vas-y je te laisse sortir la bécane. Ouais chez les flics du con. Ouais, j'étais, comment dire, j'arrivais plus à bouger là, j'étais triste. Ah bon? Ouais. Mais c'est pas, je pense que là, c'est pour une fois, c'est pas, ça c'est pas un freeze serveur, tu vois ce que je veux dire. Ah, il y a encore ce vendeur de,
Ce truc, on le voit partout, celui-là. Ouais, c'est partout. Hein. On le voit partout. Ça, tu vois, ça a dû être un leak, tu vois, et du coup, tout le monde l'a appris, je pense. Ouais, c'est ça, c'est du leak. Ok, ok. Bah, on teste, hein, on va faire un tour sur le serveur. Hein. Voilà, les gens, ils font leur opinion. Vas-y, viens, on s'arrête là. Bon, le comico, c'est du standard. N'oublie pas de fermer la webcam. Ouais, c'est bon, c'est fermé. Ah, et d'ailleurs, je me suis souvenu du coup de qui avait fait celui-là. C'est qui l'a fait celui-là? Tu l'as dit ici? Oh, on s'en fout, hein, vas-y. C'est Uncle Just. Qui? Oncle Benz? Non, Just. Ok. Salut. Bonsoir les mecs. Vous attendez pour le recrutement là? Pour les mecs? Encore des muets quoi. Ouais, ils sont pas là. C'est un flic lui ou c'est un terroriste? Lui c'est rien du tout lui. Salut, t'attends pour le recrutement là? Bon bah écoute, je sais pas ce qui se passe là mais... Alors il va y avoir le petit E pour appeler la police ou pas du tout? Non, y a pas, donc t'appelles pas les flics ici. Ah on va visiter. Ah non, en fait non, regarde, c'est le Gabs mais en noir. T'as vu? En fait c'est celui qui est tout marron de base mais ils l'ont mis en noir. Ah, putain, bon ils disent fermé mais ça s'ouvre. Ça c'est bien, ça c'est pas buggy du tout. Ok. Ok. Hop, il y a une voiture de police qui arrive, c'est bien. Ah ouais, en fait c'est le Gabs mais modifié. Bon c'est pas mal quand même. Hein. Et là, ouais ça s'ouvre pareil. Dans le bureau. Alors j'ai fait le nouveau commandant. Là. Hop. Bonjour monsieur le commandant, je viens pour vous faire embaucher. Oh bah pour l'instant c'est fermé. Merde. Fermé, c'est bien ça. On a les clés, tu vois, on va leur dire qu'on a les clés. On dit qu'on a trouvé les clés par terre, qu'on voulait les rendre. Y'a du Condé. Attends, viens, on a entendu une voiture de Condé, tiens, regarde. Elle est pas dehors là? Non, elle était devant, je crois. C'est un peu ce bol sur. Ah, ah là c'est fermé. Là, ici ça marche, ok. Le mécano est désormais fermé. Putain, on vient d'arriver, mec, le mécano est fermé. Comment on va faire? Ah bah, il faut pas faire d'accident, quoi. Bon, alors, fermé, nous on a les clés, nous. Et ici, c'est fermé ou c'est ouvert? Ici, c'est. Bah, fermé. C'est fermé, ouvert, quoi. Non, c'est fermé. Ah non, j'avais plus ouvert, en fait. Je t'ai vu l'ouvrir à moitié, en fait. Ah ouais? Non, moi j'ai pas bougé. Attends, c'est réessayé. Attends, j'ai réessayé. La machine à café, elle marche? Non, ça marche pas. T'as les mecs, ils montent des serveurs avec des. Il dit qu'en carton là, j'ai l'impression, non? Enfin, peut-être c'est qu'une impression, hein, mais. Là, les bagnoles de flics éclatées et tout. Attends, tu penses qu'on a une arme si on monte dans la bagnole de flics? Wow, ouais, vas-y, essaye, des fois c'est bugué. Ça te donne pas vraiment envie. J'arrive pas à voir. Franchement, c'est un peu le sbul sur le serveur, hein. Ouais. Là, il y a une voiture, une moto. Oh mec! Heureusement, il faut nous écraser, hein. Nick, t'es mort. Ah ouais d'accord, voilà. Lui il s'arrête, il te connaît pas, il te dit direct de niquer t'es mort, comme ça t'es tranquille, bon ok. Bon. Moi je suis un peu curieux c'est de voir les prix des véhicules et le coût de la vie, hein, tu vois, parce qu'on commence avec 300 000, mais est-ce que c'est beaucoup ou c'est peu, tu vois? Parce que je vois le salaire, on gagne 25 par je sais pas combien de temps, ouais. Donc j'ai l'impression que c'est énorme, tu vois. Vas-y, on passe, on va aller voir, on va acheter à bouffer et tout, on va voir, on va faire le tour, de toute façon là... les mecs, ils sait pas entendre des mythes de ta mère et des machins, bon, c'est pas... Ouais, pour l'instant, c'est pas fou, quoi. Ah, j'arrive pas à monter sur la moto. Comment ça? Attends, si je la ferme et je la rouvre, vas-y. Attends, ouais, c'est bon. Ouais, donc c'est bugué, ça aussi. Ok, bon, y a quelques petits bugs. Après, on est combien en ville, là? C'est pas marqué, les mecs, ils l'enlèvent. On est 103, si, en haut à droite. En haut à droite? Ouais. Ok, j'ai l'idée 833, ça veut dire qu'il a pas été reboot depuis... Ah ouais, ok, je le vois en haut à droite. Il a pas été reboot depuis un moment quand même, ça. On est 103, bon, c'est pas énorme, on devrait pas subir de lag, waouh. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nouveaux quand même, hein. Je pense, ouais. Cette voiture, c'est quoi cette voiture? Ça c'est une Progen T1, qui est verrouillée. Ça je te parle, ce que tu veux, c'est des mecs qui sont staff. Sûrement, ouais. Bah ouais. Putain, la couleur d'origine quand il a fait spawn. Ah bah encore le... Donc ça c'est le train de leak aussi, je pense. Facile à trouver, je pense. On sait que c'est un nouveau leak, ça. Grande chance. Par contre, c'est écrit appuyé sur eux, mais ça marche pas. Hein. J'essaye. Attends. Ah, ici ça marche.
Voilà, ici, ouais, moi j'y suis aussi. Alors, mais c'est juste la couleur. Ok. Ah, il faut être niveau 5. Ok. Attends, donc les armes sur le site. Ouais, il faut être niveau 5 en fait. Mais le message, il met hyper longtemps à apparaître. Ouais, ouais, bah ça lag. Niveau 5, ouais. C'est où? Mais c'est où que tu passes tes niveaux en fait? Toi, le problème, ouais, de logique, c'est que l'armurerie qui est ici, normalement, elle a une salle vers le fond là, tu sais. Ici, hop, tu passes et il y a une salle. L'armurerie de base, là, il y a que tu là. C'est si, là. Bah, regarde, c'est la salle. Ah, ils l'ont mis sur le côté droit, ouais. Bon, elle est pas mal comme ça. Ouais, ouais, c'est pas mal. C'est même pas mal du tout. Mais si eux et l'on, c'est que ça va être un leak, donc allez, dans un ou deux mois, tu verras la moitié des serveurs qu'il a encore, c'est ça. Ouais, ouais. On verra. Là, ça fait deux fois qu'on la voit en 2-3 jours. Enfin, en 2-3 visites. Moi, j'ai dû la voir sur une visite que j'ai faite. C'est un truc qu'on apparaît, mais bon. Ouais, je l'ai vu aussi. Tu peux pas monter? Non, non, c'est bugué. Et là? Ouais, voilà, c'est bon. Ah, c'est bon. Tu ouvres, tu fermes, t'es ouf. Ouais. 105, ça augmente. Là, on va dire qu'on cherche du travail au gang. Ah non, tu vas aller voir le coût de la vie, c'est vrai, le conseil, c'est tout. Ah, la bouffe? Ouais, on va voir la bouffe, combien coûte. Ok, ok. Ah, bah là. Bah, déjà, une moto à l'intérieur. Typique des free access où il y a beaucoup d'administrateurs. Ouais. Alors, bon, la bouffe, ça coûte rien. Ouais, ça coûte que dans la mesure, je vais l'acheter un peu au cas où. Par bon, contre, déjà, tu peux en prendre faut... un par un. Ouais, ce que j'allais dire, c'est casse-couille ça. Ouais, c'est mal fait ça. J'achète un téléphone aussi. Allez. Attends, j'essaye de payer en liquide. Bah t'auras rien je pense, normalement. Ouais, vous n'avez pas. La radio est 50$. C'est quoi la box? Ah, c'est un truc, t'as vu, il y a le N là, ils ont oublié de l'enlever. Il n'y a pas l'argent nécessaire. Ouais. Le séparateur, ouais. Ouais. Salut mec, ça va? Ouais. Qu'est-ce que tu fais de beau là en ville? Rien du tout, je viens d'arriver, je découvre. Ah pareil. Il découvre, mais il est pas très bavard. Hein. Tiens, tu as un vélo? Non, je te remercie, pas tout de suite, tout à l'heure. Un vélo vert, on va me prendre pour un... Il vient d'arriver, la bagnole il l'a chouré alors. Oh, ce que j'allais dire, c'est une belle chouré, c'est pour ça qu'il l'a caché. Bon, le concessionnaire, c'est un classique, il est juste là à côté. Bien, vas-y, on va essayer de trouver... peut-être une voiture au niveau du parking central. Ouais, le concessionnaire, vas-y, on s'arrête au concessionnaire. Excuse-moi. Oh, toutes les motos. Ouais. Planque là de. Ouais. Je sais pas comment faire. Pas qu'il éclate. Ouais, on peut voir, il passe à travers. Premium de luxe motosport. Je l'ai déjà vu ce. Ouais. Ce bâtiment aussi, tu vois. Bah, c'est sur le. L'autre, le. T'es mort, quoi. Oh, oh là là. Ta voiture qui rate un ancré. Tu l'auras des vélos, allez, va te faire foutre. Mais vas-y, t'es mort. Monsieur, venez avec moi, monsieur. Venez avec moi, monsieur. Vous lui laissez combien de temps à lui? Allez, merci. Moi j'y viens, viens, les lox. Ouais, du coup. Je vous écoute. Bonjour monsieur, beaucoup de bruit. Bonjour. Quand même. Hein. Ouais. Oui, bah c'est des nouveaux collègues. C'est un peu. Voilà. Bon, bref. Ah, c'est des collègues à vous? Ils travaillent ici donc? Ouais. J'ai... Okay. Ah, ils travaillent ici, ils font tout droit quand il y a des clients quoi. Ok, professionnel quand même. Ouais, non mais. Je vais parler ça avec le patron. Ouais. Alors nous, on est nouveaux et puis on voulait. Ouais. Vas-y, on voulait voir le catalogue en fait. Alors ce sera sur notre radio D. Ah, on d'accord. Peut pas voir le catalogue ici quoi. Ah ouais, non, ça c'est le problème de notre mécano. De notre concessionnaire. Ok. Et alors, la voiture qui est là, là devant, elle est. Écoute, combien? Ouais, non, ça va être un peu difficile pour vous. Combien? C'est en bitcoin. Ah. En vrai argent. La voiture, d'accord. Après, si vous voulez mettre du vrai argent. En voiture puissante, c'est quoi? En fait, j'étais staff, t'as capté. En vrai argent, celle-là, là? Ouais. Bah, celle-là, je peux pas, c'est juste du bitcoin, c'est avec du vrai argent. D'accord, donc pour le vrai argent, je vais où? Je vais sur l'application D? Tu fais muscle F1. F1, ouais, ok, d'accord, véhicule. Véhicule, voilà. Voiture? Merde. Ouais, ok. T'as des voiture, véhicules? Hein. Ouais, ok. Et pour avoir les bitcoins, il faut que tu ailles sur le site internet de
de la ville. En gros, c'est un site que tu retrouves sur la radio D de la ville. D'accord, d'accord. Les une photo. Viens, 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 on va faire un tour les locks. Bon, nous, on a un budget là de entre 2 et 4 millions, tu vois, pour acheter un véhicule. 2 4 millions, ah ouais. Ouais, t'as quoi comme véhicule à nous proposer? Alors. Qu'on peut essayer, hein, il faut qu'on les essaye. Hein. Ah ouais, non, là, par contre, ce sera pas possible, vous pouvez pas essayer. Bah, on va avec toi, tu montes derrière, avec Frigo, tu vois. Ou je monte derrière si tu veux. Ah ouais, non, mais je. Non, c'est rien, je. Je peux pas vous faire essayer, il faut d'abord que je vous donne les clés et tout ça. D'accord, ok. Alors bon, écoute, faisons ça. Ouais. Pour 2-4 millions, tu vends quoi? Pour, je peux vendre des super sportives. Par exemple, il y a une T20, si vous voulez. Ouais, une T20, ça vaut combien? 1 200 000. 1 200 000, ouais, non, c'est cher, toi. Au niveau de la voiture, ouais, faut que ça ait de la classe, faut que ça tombe la mondesse. La Porsche, là-bas, tu l'as fait combien, la Porsche? La Porsche, mais c'est pareil, c'est... en fait, les trois là, c'est en Bitcoin, c'est... Voilà. Ah d'accord, c'est... les trois, voilà. Sont... y a pas de voiture à acheter avec du dollar normal? Ah, si vous voulez, il y a une Renault Twizy, en fait. Ouais, à quel prix? À 500 000, c'est une Renault Twizy, je pense pas que vous allez aimer. Ah ouais, c'est l'entrée de gamme, quoi. Bah, venez voir. Ouais, vas-y, fais voir ce que c'est, ouais. Va derrière la porte, là. Vas-y, montre. Attends, j'arrive 2 secondes. Hop. Ouais, vas-y, prends ton temps. Ah ouais. Attends, mais ça, tu vends ça à 500 000? Bah ouais. On peut monter à 2, ça? Non, même pas. Ah si, on peut monter à 2. Ah si, ouais, mais c'est ouais, complètement éclaté. Ah ouais. T'es dehors, par contre, attention, hein, t'es dehors, là. T'inquiète, c'est pour prendre l'air, c'est pour la coiffe, t'inquiète. C'est coffre ouvrant, là. Ah ouais, ok. Ah ouais. Tu vends ça à 500 000. Le seul véhicule à port qui serait à votre prix, quoi. Attends, mais 500 000 pour ce merdier, là? Bah, écoutez, oui... Et sans les imports, t'as quoi dans les véhicules classiques? Tu Ah, super, super, ouais. J'ai des super vu que tu veux une voiture assez vite. Attends, dis-moi la coquette Blackfin, elle a combien? Coquette Blackfin, attends, juste. C'est ouais. Le fond que je cherchais la coquette. Attends, il est reparti là. Ah, il est reparti de l'autre côté. Ouais, il est reparti. Attends, il est pas là non plus. Si, il est là-bas au milieu, regarde, il est là. Ah. Attends, on va voir. Blackfin. Blackfin. Blackfin, c'est dans quelle catégorie s'il vous plaît? Muscle, je crois. Super sportif, ça. Ah, Muscle, ça? Wow. Ouais, je crois que c'est Muscle, ça, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que là, je suis parti dans les super et tout ça. Ouais. Donc, c'est ça que j'ai pas trouvé. Muscle. On m'avait dit déjà, Une coquette. Coquette. C'est O-Q-U-E-2-T-E, ça va? Oui, ça sort. Ouais, c'est bon. Ok. Non, y a pas dans Muscle. D'accord, y a pas. Elle est pas dans le muscle. Ouais. Je sais pas où elle est, moi. Je m'en rappelle plus. Vraiment, je m'en rappelle plus. Ça fait trop longtemps. Mais dis-moi des trucs de base. Donne-moi genre 3-4 comme ça, des prix de base. Ça nous donne une idée, toi. C'est les prix de base au moins, quoi. Oui, les prix de base de. Ouais, mais ça. Des... Vas-y, coquettes. Prends. J'ai coquette. Ah voilà. Bah tiens, ça tombe bien. Combien tu la vends, la coquette? Dans sport classique, c'est ça? Ouais. Non, c'est. Moi, j'ai dans sport. Ouais, ok. Vas-y, tu la sauras combien? Moi, c'est 125 000. 125 000 une coquette. Vas-y, moi je t'en prends une alors. C'est bien celle-là, attends, venez voir pour pas que. Ouais, vas-y. De... On retourne là-bas. Ben, on va voir. Attends, vas-y, j'arrive. Excusez-nous, monsieur, c'est fermé la concession là. Hein. Et pour l'embauche et tout, c'est fini. Et faut revenir quand? Ah, bah là, dans une demi-heure. Hein. Voilà. Ok, ça marche, merci. C'est passé là et c'est trompé. Ah, ok. Il arrive ou il s'est perdu le mec? Bah, je crois qu'il s'est perdu, hein. Il est parti avec la voiture? Il n'y a pas un point pour les voitures volées ici? Non, il n'y a pas? Souvent dans les serveurs comme ça, pas de gamme. Attention, c'est pas de la critique, mais quand même, le serveur, on a l'impression que tout est vite fait au niveau des scripts. Il y a des trucs pour les voitures volées, là, pour les rentrer et sortir, tu vois. Ouais. Et là, il n'y est pas, par contre. Ah, ils ont des outils ici. Mon dieu. Ça fait garage. Il doit être content, le mécano. On arrive ou qu'est-ce qui se passe là-haut? Il n'y a pas d'autres coquettes à part les deux que je vous ai montré là. J'ai été dans toutes les catégories et il n'y a que ces pas deux. Bah non, il n'y a que d'accord. Ces deux que je vous ai fait voir. D'accord, ok. Bon, écoute, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est bizarre, moi je la vois dans mon muscle. Attends. Dans muscle, bah attends, j'ai bien regardé. Muscle. Hop. Donc c'est coquette, hein.
Ouais. Si tu lis la voix, c'est parce qu'en même temps, il est en train de regarder sur le catalogue universel. Tu vois, ah ouais, non, mais je veux bien, mais moi, je la vois vraiment pas. Elle est peut-être pas en vente, tu vois ce que je veux dire. Ah, peut-être. En vente ma Porsche. Si tu veux, je vais te dire, il y a Phoenix, Nightside, Duke, Virgo, Yosemite. Non, laisse tomber, t'emballes pas. Tu vends les motos aussi? Non, ça c'est dans le concession moto. Ah, il y a un concession moto, on va les voir. Ok, je te remercie. Et non, vraiment, je veux vraiment pas le... Tu les as les motos en prix? Tu peux nous renseigner ou pas du tout? Je veux dire, tu les vends pas, d'accord, mais est-ce que tu sais les prix? Non. Non, vraiment pas. La Sanctum, par exemple, tu sais pas combien elle est, toi? Sanctus. Non, la Sanctus, c'est pas la Sanctum. Non, je sais vraiment pas. D'accord, ok, bah on te remercie en tout cas de ton accueil, bah on repassera... Franchement, désolé, parce que je peux pas... Non, mais c'est pas ta faute, t'as rien à voir là-dedans, toi. Ouais, t'inquiète, mais j'ai pas compris une voiture, comme ça on se balade un peu, tu vois. Comme ça, ouais, on n'a pas la moto, tu vois. Donne-nous qu'est-ce que t'as comme voiture pas chère pour deux places, là, qui roule, tu vois, tranquille. Bah, pas cher, c'est-à-dire... Ouais, bah, attendez, je vais vous faire voir une voiture. Ça se trouve, elle va vous plaire. Ouais, bah, une petite voiture, tu vois, juste pour qu'on se balade, tu vois, tranquille. Hop, tiens, voilà, une voiture, c'est bien, sympa. Non, ça, c'est nul, ça. C'est nul, ça. On se balade avec ça, qu'est-ce qu'on en a à foutre. En plus, elle est pas trop chère, elle est à 100 000. T'as la Mamba? Bon, normalement, tu devrais l'avoir, je pense. Dans quoi? Sport classique. Ça, mon pote, si on a ça, mec, tu vas voir comment on va avoir la classe. Je sais pas si. Bon, toi, tu connais pas ça, mais bon, c'est pas grave, tu vois, je t'apprendrai. Je connais pas. Ah, voilà. Mais si, qu'il a la Bomba. Ah, comment tu l'avances, celle-là? 180. 180? Ah, vas-y. C'est cher quand même. Vas-y, on la prend. On prend, vas-y. Ah, attends. Attends, avant de la prendre, dis-moi juste s'il y a la Ardent. Ardent dans. Ouais, dans Sport Classique aussi. Non, mais tu vas nous les briser tout la soirée là avec. Ouais, y a Ardent. Ardent, elle a des fusils. Non, putain. Oui, je sais. C'est pour ça. Donc, je veux voir si l'ont mise ou pas, tu vois. Tu vois, s'ils sont trompés et qu'ils l'ont mise, imagine. Non, y'a pas. Okay, bon, on prend la Mamba alors. Prends la Mamba, tu peux. Ouais, on prend celle-là. 180 000 en noir. Ouais, en noir. Là, elle est noire. Au noir, tu nous l'as fait moins cher quand même, non? non mais. Par contre, sans le toit, c'était mieux. Hein. Ouais, sans le toit. Moi, j'ai envie de. Ouais, moi, je vais avoir le cheveux au vent là. Eh mec, c'est pas ici, t'as pas le droit d'être. Hein. Attention, hein. Tu vas avoir des problèmes ici. Venez. Par contre, on veut sans le toit. Hein. Sans le toit et en noir. Hein. T'as une belle. C'est pas embauché ici. Qu'est-ce que tu fais là? Non, j'attends. Bah alors. C'est fermé là, le concession. Hein. T'es au courant que c'est fermé là? Ah bon? Bah c'est la pause déjeuner mec, t'as vu la clé? Bah, je sais pas, c'est fermé. En tout cas, votre collègue faut le garder, hein. Il est très très drôle. Là c'est 30 000. Hein. Elle est où là du coup ma voiture avec, Elle est juste là, venez. Et j'espère qu'elle est en noir sans le toit. Hein. T'as dit quoi? 30 000, le rendez-vous et le concesse. 30 000 c'est pas gratuit ici. Y'a rien de gratuit. Il nous a arnaqué, il a laissé le toit, il a pas enlevé le toit, il nous a arnaqué. Attends, on est en train de se faire. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, il faut m'enlever le toit là, c'est pas possible. Hein. Ouais, mais ça je peux pas savoir. Ah non, moi j'avais dit sans le toit. Hein. Ah bah j'ai pas entendu, mais je peux pas vous mettre le toit. Non, on l'a dit 4 fois, on a dit qu'on voulait avoir le cheveu au vent. Vas-y, t'as pas une scie, tu coupes, hein, y'a pas un outil. Ah non, là, il faut nous enlever le toit. Hein. Donc ça va pas là. Bah y'a un problème, le concessionnaire il doit refaire la voiture, il doit enlever le toit et tout, donc voilà. Bah si tu veux, je te réserve le rendez-vous d'après, tu me fais le 10 000 de caution, et puis tu veux quoi comme véhicule? Celle-là. Laquelle? Ok, bah c'est 200 000 celle-là. Il faut la préparer, c'est 2 heures d'attente. Hein. 2 heures d'attente? Bonjour. Ouais. Bonjour. Mais après, je. Hola, señor! Tu fais quoi? Tu te fais prendre mes fesses? Je sais pas, tu fais ce que tu veux. Ils sont pas conscients. Non, mais c'est bizarre quand même, parce que c'est un peu cher. Bah, moi je te dis ce qu'il en est, après, c'est comme tu veux. Si tu veux la payer, tu la payes, tu la payes pas, tu la payes pas. Tu fais ce que tu veux, voilà, ok? Bah, moi je la paye, mais après si. Ok, donne-moi 200 000 alors. Non, pas toi. Mais tu te l'as donné, c'est quoi le patron? Je comprends pas là, attends. En vrai, t'as une coupe de cheveux, elle est trop belle. T'as vu? C'est la classe. Hein. Je peux tirer ou pas les cheveux? Non, tu peux pas tirer les cheveux. Bon, tu prends la voiture, je prends pas, il y a d'autres clients là, il faut que j'y aille. Hein. Non, je la prends pas. Tu la prends pas la voiture? Non, je la prends pas. Ok, comme tu veux. Eh! Hey. T'éviteras de mettre tes burgers partout, s'il te plaît, là. Regarde. C'est pas les miens. Arrête de déconner, là, ok? Tu donnes ta radio Discord. C'est pas moi qui va te... Vas-y, on y va, nous. C'est pas moi qui dois vous donner l'argent. Et mon toit, il m'a arnaqué sur le toit. Bah, je peux pas. Mais
Mais c'est pas grave, vas-y, bah, il va te faire un prix de lui. Comment tu nous l'as fait la voiture 10 000 et puis c'est bon, allez, hop. Non, mais j'ai déjà payé moi. T'as déjà payé quoi? Mais 180 000 mais, la voiture. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Bah, on va vendre notre toit à la casse, viens. Putain, n'importe quoi. Là, vraiment, au pire, il nous fait un prix sur une autre voiture, quoi, au pire. Bah, dites-moi votre nom pourquoi et dès que pourquoi vous reveniez. Ah, comment ça, dès qu'on revient, on peut pas acheter une autre maintenant? Bah, ouais, ils vont encore nous arnaquer, je le sens là. Ah, oui, non, bah oui, bah si vous achetez maintenant, oui. Tu vas acheter quoi comme voiture? Je sais pas, je vais rien acheter si tu veux pas acheter un truc. Mais non. Je m'en fous, je préfère. Non, viens, c'est bon. Mais là, toi, là, t'es viré. Attends, dis-moi, tu t'appelles comment? Le mec de la voiture, t'achètes pas la voiture. Moi, c'est Andrew. Bah, j'achète pas. Andrew. Du coup, je vais au mécano, je dis dans le toit et je vais me mettre sur la note d'Andrew. Ah bah, j'appelle la police. Ah bah, vas-y, appelle. Comment ça? T'as pas les couilles d'appeler. T'as pas les couilles d'appeler. Sans toi. Non, mais là, on va chez le mécano, on le dit d'enlever le toit et on dit que c'est Andrew qui paye. Puis c'est bon, je le concesse. Si ça se trouve, il me connaît même pas. Mais si, il va te connaître, t'inquiète. C'est Andrew comment? Ah, t'as une belle blonde comme toi, pas, tout le monde la connaît. Hein. Comment ça, tu sais pas ton propre nom ou quoi? Non, je sais pas, je connais pas. Andrew le concesse. Allez, on y va, on est bout. Allez, on va dire Andrew le concesse, c'est bon, il va reconnaître, allez, c'est parti. Andrew Curtis. Andrew Curtis, parfait. Andrew, comment il s'appelle Curtis. On n'oublie pas, moi je vais le dire, toi c'est lui qui paye. Non mais oh. Pourquoi tu voulais prendre cette poubelle là? Mais je sais pas, elle est classe, non? Elle est classe, ouais, mais bon, 180 000, remarque, tu me diras en même temps, on s'en fout. Bah oui, on s'en fout, il est pas là le mécano, c'est marqué fermé tout à l'heure. Ah bon? Ah merde, putain, je voulais voir les prix du. Oh putain, ah, mais je crois qu'il est ouvert en temps. Il a trouvé le truc des grilles, mec. Mais oui, putain, il casse les couilles. T'as vu, la nouveauté sur le serveur, on met des grilles partout. Ah ouais. Wow. Mais ça va pas ou quoi? Fais gaffe, mec, oh. Ouais, t'as pas mon tour, il repart en wheeling encore. Heureusement, il a un bon RP, tu vois. Heureusement, il a un bon RP, le mec. Tu vois, il repart tout de suite, tu veux pas déranger, tu vois, ça c'est bien. Ah ouais. Incroyable. Bon, moi j'ai envie de savoir c'est le prix du coup du turbo, etc. Tu vois, c'est le radar automatique ou pas? Ah oui. Le prix du turbo? Ouais, on peut mettre un turbo. Il nous a pété l'arrière de la bagnole, le mec. Hein. Ouais, il nous a éclaté. Hein. Allez, vas-y, run. J'ai rien pour l'instant. Attends, je vais voir du coup si on peut bouger le véhicule en l'air. Vas-y. Ouais, on peut. N'importe quoi, ça. Bah oui, mais ça, c'est des trucs que les mecs ils connaissent pas. Allez, on va pas faire une grande démonstration. Tu m'as vu taper le poteau derrière? Non, je crois pas, non. Je regardais pas. Parce qu'il est tombé. Attends. Ouais, il est tombé, mais c'est pas toi. Là, t'as tapé. Là j'ai touché. La bécane, ouais. Tu l'as frôlé. Hein. Pourquoi ouais. Tu l'as pas touché, la bécane? Vas-y, frôle pour la D5. Frôle. Ah, est-ce que je fais cette D5. C'est parti. Là, j'ai touché. Frôlé, hein. Non, moi, frôlé. Ok, pour moi t'as frôlé le rouge là-bas. Ok, vas-y lui on touche. Viens avec sa poubelle là. Tu crois qu'il casse le véhicule ou quoi? Je pense, ouais. Tant mieux, on va aller voir si là comme ça. Attention, il y a des gens, on va pas l'écraser. C'est un mécano si jamais. On peut pas, ouais, c'est pas grave. Non. Merde. Salut mec. Il m'a enlevé les rôles. Ça va, tranquille? Ah ouais. Dites-moi, il y a un mécano par hasard ici? Voilà. Ouais, bah ouais, je suis là. Ah bah franchement, vous tombez bien. Est-ce que tu peux faire les customs? Oui. Ah bah franchement, c'est parfait, on peut rentrer? Oui, il a la allez-y. Ah, merci. Il a la classe, hein? Ah ouais. C'est pas comme toi, il a pas la classe, lui. Où est-ce que je le mets, chef? Descendez au pire, voilà, ce sera bon. Si je vous demanderais de la fermer et de l'ouvrir pour m'assurer que ce soit bien la vôtre. Ah, j'ai cru que tu devais la fermer dans le sens parler, moi, toi. Ok, voilà. Merci beaucoup. Mais pour alors, moi, que ça arrive que les gens viennent modifier des véhicules qui sont pas eux? Ouais, des fois. Mais c'est un peu con du coup, parce que du coup ils sont en train de custom pour un autre mec. Bah ouais, mais ça des fois ça nique un petit peu, genre ils font n'importe quoi dessus, ils rétrogradent les moteurs et tout ça. Eh mais ouais, mais ils payent du coup pour rétrograder. Non, je crois que c'est gratuit. Hein. Ah bon? J'ai jamais fait ça, mais mes collègues ça leur est déjà arrivé. Purement, alors, okay. Qu'est-ce qu'il vous faut? Le turbo, tu nous fais quand même le turbo. Ouais. Comment? Ouais. Après, attends, tu peux lui mettre les néons. Il est occupé là. Il est occupé. Ok. Il faut que tu le mettrais. Ce bouton néon, toi. Okay. Oh, c'est pas mal comme alors, contact les 17. Bon, au pire, moi je vous laisse cette bagnole et puis je prends celle-là. Hein. Vas-y. Ouais, non. Si vous voulez des problèmes, la prenez pas. Enfin, prenez-la si vous voulez des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Ouais, le turbo, je fais 4 fois que tu le dis, tu m'entends pas ou quoi? Ah, attendez. Normalement, il est où le patron?
Il est où le patron? Alors, le turbo, Il est où le patron? Oh, tête de jument! Le turbo, il est déjà là. Ah bah bien, il est déjà là. Il est où le patron? Il est déjà bien. Quand vous l'achetez, il est déjà bien. Celui-là, tête de jument, viens. Comment? Le moteur niveau 4, il a combien? Alors, le moteur niveau 4, c'est... Attendez, parce que je suis un peu con. Ça fait... Dis pas ça, t'es un peu con, imagine. Ça fait 240 000. 240 000 Quoi, cher quoi quand même. Le moteur niveau 4. Ah, tu nous fais un moitié prix, on paye en espèces, d'accord? On paye en espèces, et puis... Non, j'ai pas le droit, c'est un coup de faire virer, ça. Bah, t'en fous, tu prends 120 000, qu'est-ce qu'on a à foutre? Comment t'es payé à l'heure? 500, mais après j'ai un salaire. Dimanche. C'est 120 000. 120 000 ce cash. Attends, il y a peut-être du jument qui passe, parle pas devant lui. Non, après, viens, la boucherie chevalier, on va le faire battre, lui, non? Je peux vous le mettre, je peux vous le mettre niveau 2, 40 000 après. Ah, mais le niveau 4. Mais non, niveau 2, c'est nul, ça sert à rien. Niveau 3, il a combien? Niveau 3, il a 100 000. 100 000? Putain, mais ça, c'est de l'arnaque, ça. Les transmissions, c'est combien? Les transmissions, non, c'est niveau 3, je crois. Niveau 3, c'est 80 000. 80 000 pour le niveau 3? Vas-y, c'est bon, mets-le, vas-y. Je suis riche. Oui, pourquoi tu rigoles, là? Tu nous mens sur les prix, non, là. Non, mais non, là, ça se voit, tu veux nous en inquiéter, tu veux mettre un peu dans ta poche, le son. Ouais. Ouais, je sens le même truc. Ouais, voilà. je le sens. Non, mais... Comment ça, il m'a déjà mis la facture? Bah ouais, je l'ai désinstallé, là. Ah oui, aussi rapide. Bah attends, c'est déjà fini, mais moi j'ai pas dit que c'était fini, pourquoi tu sors et tu mets une facture? Non bah... Ok, tu veux quoi d'autre? Le toit là, tu me le fais sauter là, ça va pas, j'ai dit au conseil, il faut me faire sauter le toit, il m'a fait sauter, d'ailleurs c'est lui qui paye, hein. C'est Andrew, comment il s'appelle déjà? Andrew Chris? Ouais, faut que tu viennes avec nous le voir. Ouais, c'est Andrew Chris le conseil, c'est lui qui paye le toit. C'est un garage, c'est pas la cage. Je peux pas enlever, hein. Si, normalement tu peux l'enlever, qu'est-ce que tu me racontes? Casse ton vieux crâne avec ta... C'est quoi que t'as sur les cheveux, frérot? Toi, tu vas me casser mon vieux crâne avec tes petits points crispés? Ouais, il veut aussi m'arnaquer, lui. Il dit qu'il peut pas enlever le toit, là. Oh, ça va pas, ou quoi? La tête de ma mère, je veux pas enlever le toit. Ça me laisse, ça... Mais je peux pas! Si, on peut. Mais je t'ai dit que je peux pas, on va retourner voir le conseil, hein. On va, moi j'ai demandé un remboursement là, ça va pas. Mais les fenêtres, je vous les fais teinter gratuites, c'est bon. Ah voilà, c'est sympa, ça c'est gentil. C'est Vas-y, mets-nous le moteur stage 4 gratos, vas-y. Non. Vas-y, qu'est-ce que ça te chance. Allez, vas-y, c'est sympa comme mec. Et je peux pas en fait. Comment ça tu peux comme pas ça, tu peux pas. Bah ouais, je peux rien, presque rien changer dans votre truc. Parlez à moi. Pourquoi y'a un mec qui parlait à moi là? Comme ça, c'est bizarre. Non, bon. Mais vas-y, mets-le. On va rien dire. On va rien dire. Je viens de vous payer le moteur niveau 4. Wouah, t'es un mec. Et franchement, je t'aime. Allez. Bref, ça fait toujours 100 000. Hein. Allez. Comme ça, 100 000. Pour toi dans la poche. Pour toi dans la poche. Non, 80 000, je déconne. Non, mais j'ai déjà payé les 80 000. Non, t'as pas payé. Je te jure, j'ai payé. Je te jure, j'ai la GoPro, j'ai pas. Le joueur a mis trop de temps à régler cette facture. Ah, mais je te promets, j'ai appuyé pourtant. Non, t'as appuyé sur le. J'ai signé le papier. Ah non, je te jure, j'ai appuyé sur la signature là. Ah, bah, je sais pas qui vient de se prendre la truc, monsieur. C'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon. Pas la facture, moi. Là, tu l'as reçu? Oh, ok, c'est bon. Attends, je te la débloque. Quoi, je t'ai douillé? Mais je t'ai pas douillé. La voiture, ah d'ailleurs, la couleur là, non? C'est combien la couleur? La couleur, c'est 15 000. 15? Ah bon, c'est gratuit. Tu es d'accord? Dans les contrats, c'est écrit qu'il y a ouais, pas de... Ouais, elle est morte, ta bagnole. Elle est morte, le mec. Tu vois, me dit très pas, là. Ah ouais, je vais la faire gratuite, ça y est. Merci, beaucoup. Du coup, la couleur, noir mat. Noir mat. Voilà. Avec une petite fleur, si t'as ça. Vas-y, dégage avec ta poubelle, toi. Tu l'as réparé, putain. Ah bah il a déjà cassé. Attends, viens, je te la répare. Attendez, faut que je la nettoie parce qu'elle est dégueulasse. Il a mal réparé, le collègue. Il a pas le permis. Oh là là, oui. Ah merde, je suis en train de réparer au lieu de nettoyer, putain. T'as pas le permis, mec. Ah, tu vas devoir payer, hein. T'es bon en médecine, mais putain. Ah non, je rigole. J'aime bien ta coupe, frérot. Ouais, moi aussi.
Non, la mienne, la mienne, ouais, toi, belle blonde, ça, qu'est-ce que tu veux, quelqu'un aime ta couleur. Ah, mais moi, en fait, avant, j'avais une calvitie, mais j'ai réussi à la guérir, elle a tenté de repousser. Ouais, bah, je... Mec, on s'est fait chourave la bagnole, mec. La tête de WAM, la voiture, elle a disparu. Mec, on s'est fait chourave la bagnole, mec. Comment ça, on s'est fait chourave la bagnole? Ah non, 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 là, tu me fournis un autre véhicule, hein. Eh non, non, c'est pas moi. Attends, on va pas rentrer à pied, là. T'as bien vu que j'étais en train de la réparer. Ah non, tu nous l'as volé. Où, la il faut que tu la rentres. Tu nous l'as volé, il nous l'a volé. Le pare-choc. Moi j'ai appelé la police. Venez, hein. Venez, venez. Vas-y, c'est pas grave, je vais rouler sans. La voiture, elle a disparu. Attends, moi j'appelle la police là. Hein. Oh, ma bagnole, moi j'ai une compensation là. Il y a un homme du monde de là-haut qui est venu et qui a volé la voiture. Non, pas possible. Ah, ça me bute. Moi je ferais bagnole qui était en peinture là. Vas-y, mais vas-y, répare la voiture, mais tu nous la prêtes ta voiture alors? Bah oui, oui, oui. On va aller chercher l'autre voiture. À la fourrière. Oh, c'est pas nous qui avons fourrière fait en plus. Ouais. Putain, allez, vas-y, on te revient, vas-y. Tu veux conduire, vas-y, conduis, Jean-Paul. Mais c'est où la fourrière? Mais on va la trouver la fourrière, qu'est-ce que... Merci, mec, hein. Démarre. Attends, je cherche la fourrière. La Bah c'est la première, putain, c'est la première pour avancer, putain, Mais cherche la fourrière, je t'ai dit, putain. La fourrière, j'en ai rien à branler de ta fourrière, moi. Roule, on a une voiture. Par contre, je suis sûr que c'est un plan que nous a fait, là, pour que du coup, nous cacher le... qu'il a pas mis le moteur 4, je le sens. Je suis sûr qu'il l'a pas mis. Bah écoute, s'il a pas mis, il a pas mis, allez, voilà, c'est pas grave. Pourquoi tu veux le moteur 4, de toute façon, on s'en fout. C'est là, la fourrière? Ouais, c'est là. Oh, ça rentre dedans. Ah, c'est... Ouais, voilà, pas tant que ça de patate. T'es où là? C'est bon, je suis là. C'est bon. Bon, on va faire un test pour voir s'il y a bien le turbo et tout là. Vas-y. Et y'a pas le turbo. L'aurais-tu levé là? Ouais, on va pas retourner lui dire qu'il n'y a pas le turbo, de toute façon on va repartir à fourrière la voiture, laisse tomber. Bah attends, mais... On va pas passer 4 heures sur le turbo là, on en a rien à foutre, viens on va faire une course poursuite ou quelque chose, vas-y. Vas-y. Laquelle arrache le plus, celle-là ou la sienne? La sienne, je pense. Ok, je sais pas en vrai. Pour les courses poursuites, je pense que la sienne sera mieux. Ah, je sais pas, celle-là, je sais pas tester, mais là j'ai trouvé qu'elle manquait de patate quand même. Hein. Ah, putain, c'est fin, qu'elle manquait, pas... t'as dit? Ouais, un peu, ouais. Ah, moi je trouvais justement qu'elle avait plein de patates, hein. Ouais, bah vas-y, alors vas-y. Regarde. Vas-y. Ouais, vas-y. Allez, vas-y, on va essayer de faire une course poursuite. 150. Oh, bouchou! Putain, ouais, c'est malade, hein. C'est incroyable. Attends, par contre, faut juste que je fasse un test du coup. Vas-y, fais un test. Tu peux voir si elle passe? Ouais, ok. Exact. Ouais, elle va passer. Elle passe. Okay. Oh, la casse pas. Il est où le Condé? Viens, on va aller chercher. À la droite. Là. Wouah, regarde le bagnole qu'ils ont. Non, c'est impossible ça. Wow. Salut les mecs! Non, c'est impossible qu'on gagne avec leur bagnole, regarde ça. Soulez, on va leur demander où on peut faire le vaccin contre l'hépatite B. On leur dit qu'on a cru que c'était l'infirmier. Ouais. On a dit qu'on avait dit Giroud et du coup on pensait que c'est l'infirmier. Hop! Vas-y. Ouah, t'as vu quelle vitesse il fait une marche arrière? La bagnole. Allez, c'est n'importe quoi. Bagnole de staff, ça. Ouais. Laisse tomber, injouable. Injouable. Donc, faire un braco ou quoi, t'es baissé aussi ici. Bon, c'est comme ça. Ah, impossible de rattraper. Hein. Et du coup, en vrai, 300 000, c'est énorme quand même, hein, pour un départ. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ils sont là. Ouais. La gueule du monde. Vas-y, essaye de les rattraper. Peut-être qu'on y en avait une qui était, tu vois. Oh, ça tire. Ils sont tirés dessus. Ça tire. Dégommez-les, tuez-les. Toi, c'est des flics là aussi? Je sais pas. Vous voulez de l'aide, monsieur? Je vous dépose à côté d'eux. Non, monsieur, circulez. Ah ouais, c'est ce qu'on fait.
Bon, on circule. Vas-y, viens, sur un cadavre, on a même. On sauve le mec. Opération de police. Bah putain, opération de police, c'est carton. Et tu veux qu'on est dedans? Tu fais un slash porté, tu prends un et puis tu l'emmènes. Bah c'est ce que je viens de te dire. Vas-y, prépare-toi, vas-y. Bonjour messieurs. Ouais. Alors, le mec qui est en dessous de la voiture, là, s'amuse à freekill. La freekill de... Vas-y. Où? Bah tu... On porte pas un mec? Bah vas-y alors, moi j'attends. Bah oui, mais attends, pour porter un mec, il faut que ça aille à côté du mec. Bah oui. D'accord. Approche-toi avec la voiture, j'aurais pouvoir le prendre de la voiture. Moi j'ai je pense pas ça. Vas-y. Je te fais une facture, frérot. Hein. Oh non. Viens vers nous. Salut. Tiens, on t'emmène. Le mec au chapeau, viens vers nous, on t'emmène. Non, mais j'ai un véhicule, t'inquiète. Ah, ok. Tu t'en vas là. Ah, mais je vais me changer, t'inquiète. Ça va. Okay, vas-y, merci, tu gères. De rien. Okay. Bah, tant pis, hein. Bah non, mais y'a rien à faire en fait. Bah ouais. Et ils t'ont fait une scène foire, vas-y, puis c'est tout. Hein. Vas-y. Bah ouais, du coup, bon, bah tant pis, hein, on va chercher d'autres trucs, quoi. Ouais, vas-y, on fait un petit tour en ville encore, et puis on passe ça. Hein. Après, bon, ça va, hein, j'ai pas eu trop de. J'ai eu un, deux frises. Deux petits frises. T'as eu des frises, toi ou pas? Je crois que j'en ai eu un. Ouais, j'en ai eu un serveur, c'est peut-être, tu vois, sauvegarde serveur. Oh! Wow, mais. Wow, what the fuck? Les mecs, ils sont. En plus, ils continuent, mais. Le RP un peu éclaté quand même, hein. c'est un vrai serveur avec du RP éclaté quand même. Hein. C'est dommage parce que pourrait y avoir du potentiel, tu vois. Bah, niveau script, enfin, même s'il y a pas mal de leaks, il est quand même pas mal en vrai, tu vois. Il y a quelques trucs qui sont à peu près corrects. Mais. Il y aurait moyen de faire jouer, tu vois. 104 personnes dépassent, tu vois. Bon, après, il faudrait voir au-dessus de 150. Mais, pousse-toi, t'as ta poubelle là, oh. Excuse-nous, mais. Pas très non plus mieux. Ça va? Mais pourquoi tu joues, t'arrêtes de jouer, t'as l'air, tu nous as rentré dedans, tu fais rien. Il accouche. Ok, c'est bon, c'est rien. Ils sont bizarres les mecs, hein. Il y a beaucoup de minots, tu vois. Ouais. Après, ça, c'est un free access, faut pas s'attendre à autre chose, tu vois. C'est ça. C'est sûr que dans un free access, t'auras toujours plus de minots, etc. Bah, quoi. Fais un tour par chez les gangs, là, qu'on regarde un peu ce qui se passe. Et puis, de toute façon, pire, qu'est-ce qu'on va faire? Elle freine bien quand même la bagnole là. Waouh! Ouais. Attends, il se relève. Waouh! Ah, regardez un flingue. Ah ouais. Mais t'as vu la vitre, c'est pas pété? Ouais. Enfin, je vais les suivre. Non, il y a quand même quelques bugs. Hein. Ça, du coup, c'est tout que des bagnoles achetées, t'as dit? Marabouna, ouais. Marabouna. Je sais pas qui pour c'est qui là, hein. Franchement, j'ai du mal. Je comprends plus rien non plus. Hein. Alors, vas-y, qu'est-ce qui va se passer là? Y'a de l'intrigue là. Bah, ils se rendent dedans quoi, c'est tout ce qu'ils font. Ouais. Les flics ou eux? Oh, les boules. Oh, les boules en bas! Wow, voilà. Et pourquoi les retourne? Il fait quoi? Elle est les pneus éclatés et tout, il continue à rouler quoi. Ah ouais, non, mais c'est normal. Waouh, t'as vu l'avant de la bagnole, comment elle est défoncée. On voit rien quoi en fait. Non, j'ai pas vu. On me dit qu'il est mal fait. Bah regarde l'avant de la Ranch du 4x4. Regarde l'avant de la Ranch, t'as vu? Ouais, moi ça va, hein, je vois les feux et tout. Ouais, tu vois juste les feux, mais en dessous c'est complètement bugué, y'a plus rien. Ouais, mais tout à l'heure la bagnole de l'ambulance c'était pareil, de l'EMS c'était pareil. On voyait pas au garage, tu sais. Il y avait une plaque noire un peu. Ouais, bah encore là, il y avait encore une plaque noire. Là, c'est vraiment invisible, ça. Non, j'ai l'impression. Attends, viens, on l'aide, regarde. On l'aide, mec, il a. Bah, il a 4 nœuds éclatés. Il a 4 nœuds éclatés, faut qu'il s'arrête quand même. Wouah! Non, mais laisse tomber. Laisse tomber, c'est pas la peine. Regarde, la bagnole elle est même pas morte, hein, elle a rien. Elle a rien, la caisse. Ouais, regarde, roule normal. Et ils sont pas doués, t'as vu, on fait un accident et même comme ça on arrive à les rattraper quoi. Ouais. Non, mais bon, là ça joue pas, là, ça sert à rien qu'on continue à faire ça. Fais un tour voir au niveau des gangs. Ouais, ça tire, ça tire, ça tire, ça c'est. Ouais, c'est. Bah, c'est eux toujours.
Ah ouais, mais ça tire, mais ça tue pas. Ils savent pas tirer en plus. Bah ouais. Je sais pas ce qui se passe là, mais. De bignoles de flics. Salut Marabout. T'as vu... oh, Marabout. Et t'as vu, regarde, ils ont tous la bignole cheatée, hein, en plus. T'as vu ça? Ouais. Bah les flics, ils ont full pouvoir. Mais ça a l'air de tirer de partout là. Bon, enfin, bref, c'est le bordel là, c'est quoi ça? T'aurais peut-être dû rester à côté, je sais pas pourquoi t'es parti, on aurait vu ce qui se passait. Bah tu m'as dit d'aller au con, au... vers le... voir les gongs. Non, mais je cherche, toi, un dernier petit truc action là, puis le serveur, tu vois bien que là, au niveau gestion administrative, le serveur. Wow! Oh le pauvre mec! Bah j'ai pas touché. Si, il est éclaté par terre, il est éclaté aussi. Ah non, je l'ai pas touché, bah voilà, des 5 alors. Reste pour toi aussi, ouais. Tu cherches pas cette belle tête. Allez. Quoi? Toi, tu cherches plus, je fais une balle. Vas-y, parle moins vite. Tu parles à ta mère, on quoi? On comprend rien, ce que tu racontes là. Maintenant tu bouges ton cul. Parle quoi? Mais on comprend rien ce que tu dis en fait. Avec ton masque, on n'entend rien. Casse-toi. Mais t'es un gong ou tu fais partie de la police? Tu. Je vous dis, cassez-vous maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as parlé de ma tête? Elle te fait pas ma tête? Ah, désolé, hein. D'accord, frère, j'en bats les couilles, allez. Mais moi aussi, je m'en bats les couilles. Vas-y, attends aussi. C'est quoi ces flics? On dirait un gong, t'as vu le masque et tout pison. Oh, c'est la police. Vas-y, il monte sur la voiture et tout, le mec. C'est quoi, attends? Oh, ouais. Viens nettoyer tes traces de chaussures là, sur la voiture. Non. Viens nettoyer tes traces de chaussures, vas-y. Allez, je peux pas m'embarquer, même me faire visiter ton commissariat là. Allez, pars avant que je te duel. Oh non. Tu fais de quoi? Ce que t'as à faire. Tu fais ce que t'as à faire. Tu crois que je parle mal là? Tu fais ce que t'as à faire. T'es admin sur le serveur? Ouais. Oui, bon, allez, Christophe, c'est pour ça que t'apparais comme ça. C'est pour ça que t'apparais comme ça. T'as l'impression que ça te donne un pouvoir. Que tu vas pouvoir faire Christophe. D'accord, allez, circule. Mais non, je circule pas, je reste là, je vais voir le conseil. Tu circules. Soit tu circules, soit tu pars. Je circule pas. Vas-y, va voir le conseil. Tu veux quoi, toi, ta patin? Allez. C'est bizarre ici, les gens, quand même. Agressif, bah ouais. Les flics on dirait un gang sans déconner. Même l'admin on dirait un gang. Ouais. Mais ouais. Allez on lui ramène la voiture, on va lui dire c'est pas celle-là qu'on a acheté. Hein. La voiture se transformait, nous on l'a emmené sur le mécano. Pour les achats de véhicules, c'est ici monsieur. Achat de véhicules. Bah, je préfère ton collègue. Ah bah on est venu achat pour une bagnole. C'est ici. Ça t'intéresse une belle occasion là? Tout à l'heure on t'a acheté une voiture, on te la revend pas cher. Tu veux quoi en fait occasion. Bah, je te revends une voiture, tu m'entends pas ou quoi? T'as des problèmes de douille ou quoi? Monsieur, ça déconne. Tu veux me la vendre? Ouais. Monsieur... On reprend pas les véhicules, excusez-moi. Comment ça, tu reprends pas les véhicules? C'est le flic, là, c'est l'heure. On voit les véhicules, on les reprend pas. Il va voir, il va te le reprendre. Je vous entends. Qui t'a dit ça? Le flic qui était dehors. Mais il connaît rien, le flic, c'est un flic, il connaît quoi? Mais il y a l'homme invisible et tout qui est apparu. Le mec, l'homme invisible nous a dit, vas-y, va voir le mec avec une drôle de voix, une drôle de tête. Attends, collègue. Ouais. On reprend pas les véhicules, on est d'accord? Bah moi j'ai jamais entendu parler de ça. Mais si on reprend. Qu'est-ce qu'on reprend nous? T'as resté le bon coin ou quoi? C'est pas votre boulot quoi? On reprend pas les véhicules frérot. Mais si, c'est bien sûr, véhicule, on reprend. Il m'a dit le mec. Et moment on reprend les véhicules nous. Mais si, il m'a dit le mec. À la limite moi je veux bien les reprendre moi, hein, mais ouais. pas la concession. Hein. Ouais vas-y viens, je te le vends, allez viens. Vas-y au calme. Merde, il est où le véhicule? On l'a volé dans la voiture là. Ah mais tu veux dire moi je dois te l'acheter moi. Bah tu viens de dire que tu la reconnais. Bah non je l'achèterai moi. Comment tu la reprends? Comment tu la reprends alors? Explique-moi, tu me la reprends comment si tu me l'achètes pas? Tu m'échanges? Tu veux me la voler ou quoi? Il veut le show. Mais de la concession c'est impossible. Mais on peut pas le remettre dans la concession, c'est impossible. Mais je t'ai pas demandé de le remettre dans la concession. Bon, ce qu'il y a à la concession, on prend, on le vend. On peut pas le remettre dans la liste, tu vois. Ouais, d'accord, bah, c'est impossible. T'as comme filé une laca à la place, je vois que t'en as une au cou, d'accord. Tu vois, tu me filmes une laca, je te donne la voiture, qu'est-ce que t'en penses? Je retire, j'arrive. Bah, j'ai un Uzi si tu veux. C'est quoi, comment elle s'appelle la voiture que tu viens de montrer, Blondiné? Un Uzi. Ouais, c'est bah, tu me le donnes, c'est contre la voiture. Andrew, s'il te plaît, appelle-moi Andrew. C'est contre la voiture, hein. C'est quoi comme voiture? Ok, Andrew, excuse-moi. C'est quoi comme voiture? Viens voir. C'est une gesteur. Attends, mais tu sais combien Uzi au moins? Tu sais c'est 12 millions, hein! Tu sais combien coûte le gesteur? Viens voir! Bah vas-y, montre-moi c'est quoi comme voiture! Regarde la voiture! Tu la vois? Hein, comme elle est belle? Un petit coup de siphon dessus, elle est comme neuve! Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Je te l'achète à 200 000 propres! Combien? 200 000! Je te l'achète avec des menottes, c'est bon? Comment ça, tu me l'achètes avec des. Avec des menottes, je te l'achète, c'est bon? Avec des menottes? Bah je te passe des menottes et tu peux menotter qui tu veux. Attends, tu veux regarde, tu veux un exemple, regarde. Ça, regarde, ça c'est un exemple, tu vois.
Attends, attends, tu peux me le dire, regarde, je peux pas conduire, je peux rien faire. Mais lâche-moi là. Attends, mais c'est un test, c'est un test. Non, 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 y'a pas de test avec moi là, lâche-moi là. T'inquiète, tu m'as pris pour ta pute ou quoi? Oh. Ça t'intéresse des menaces contre ta voiture? Non, non, je vais à l'usine. Bah, l'usine, ça vaut pas la voiture, t'es fou toi. Mais tu sais combien de temps j'ai mis à la piquer cette voiture? J'ai mis au moins un quart d'heure. T'as mis combien dedans? Non, mais moi, non, mais la bagnole, moi, je l'ai piqué, toi. Tu peux pas mettre 12 millions dans une voiture comme ça, c'est impossible. Mais je t'ai pas dit que j'ai mis 12 millions, je te dis que j'ai piqué la voiture. Tu l'as piqué? Bah ouais. Elle a pas à toi la voiture? Bah non. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi il est à toi lui? Bah oui, il est à moi, c'est moi que j'ai acheté. Eh bah, moi je dirige, je fais comme s'il était pas à toi, tu me donnes l'usine, je te donne la voiture. Mais la voiture, elle est pas à toi, t'as pas les clés. On s'en fout, tu veux la conduire la voiture. Ah vas-y, non, non. Ouais, c'est pas toi. Vas-y. Tu nous entends, la drague? Ah, c'est bon, je t'entends. Ouais, ok. Je pense que t'as eu un léger prise de 2 minutes. Ah, c'est ta tête, ça voit là, c'est mal à la tête. Allez, viens, on va chercher notre voiture. Viens, attends, viens, on va chercher notre voiture. On lui fait cadeau, mec, on s'en va après, viens. Ils sont sympas, les mecs. Vas-y. Bah, y'en a, ils sont sympas, tu vois, mais les flics là, le staff aussi, n'importe quoi. Ouais, mais il a rien fait, le staff, hein, tu vois. Mais... Elle est là, en fait, là, ouais. Comment ça, elle a rien fait, le mec là, Koustou. Je sais pas, c'est ce qu'il a à faire, moi. Il veut me ban, il me ban, je m'en tape. Bah ouais, mais bon, il fait rien. Ok. On a fraqué au mec qu'on a parlé en deuxième ou celui qui nous l'a vendu? Ouais, au mec du garage. Il était sympa, on lui a pris sa voiture, on l'a pas ramené. Vas-y. Les mécanos. Allez, on va. Ouf. Ah putain, on a fait le mal. Putain, c'était le dernier. Oh là là. Oh là là. Ça va pas, c'est une question de dynamite. Ouais, c'était dernier là. Putain. C'est tarantula là. Le mécano il était sympa, on a bien rigolé. Remarque lui aussi il était sympa le mec. Ouais, il nous a offert le moteur et tout quoi. Ouais, enfin je sais pas si le moteur il marchait, mais bon, hein, bref. Ouais, ils auraient offert je pense. Le mécano c'était comme ça, hein, histoire de boucher point A, point B. Oh mes mères, ça va mes mères? Ouais, ça va là. Hop. C'est pas toi qui parlais je crois, mais t'inquiète. C'est qui mes mères alors? Eh, hey, il est où ton collègue avec la gestère là? Celui qui nous a modifié notre véhicule. Il est où là-bas? C'est où là-bas? Où? Au fond là-bas. Attendez, j'arrive. Tu l'as trouvé le mec? Oui, il est là dans sa bagnole, regarde, il a repris sa bagnole. Qu'est-ce qu'il y a? On l'a rendu. Sors ta voiture une minute. Pourquoi? Mais non, on va te parler, viens voir. Ouais, j'arrive. On va te dire un truc. Ouais. Viens voir, on va te donner la voiture. Vas-y. Pourquoi? Allez, vas-y. Bah, on te l'a fait cadeau. Parce que nous, on s'en fout, tu vois. Nous, on est venu faire une vidéo sur l'état du serveur, tu vois. Sur comment ça fonctionnait, etc. Donc, nous, on a fait notre job sur ce serveur, on va dire ça comme ça. Donc, on a estimé que tu as été sympathique. Donc, on va te donner. On te fait cadeau du véhicule. D'accord? Ah, bah, merci beaucoup, monsieur. Voilà. Donc, tu seras sur YouTube avec ce que tu as fait tout à l'heure. Allez, bye bye, mec. Allez, mec. Mettre des avis sur les mécanos. Incroyable. Ouais. Incroyable. Bon. Je crois que notre job est fini. Bah, je crois que, ouais, on a fini notre job là. On a fait le tour. Conclusion de l'affaire, bon, bah, le serveur, il est fuckhead de par les joueurs. Il y a peut-être du potentiel. Il faudra revenir dans quelques mois. Enfin, nous, on reviendra pas, mais pour les joueurs, quoi. Aujourd'hui, je sais pas si ça vaut le coup de s'y attarder, quoi. À moins que t'aies envie de faire de la connerie, parce que bon. Admin, bah, je pense que. Pas sympa, admin pas sympa. Bon, après, je comprends, hein, y a de l'ambiance, mais quand même, quoi. Quand même. Ouais. Voilà. Et même déjà de base, t'es fucked parce que t'as eu 300 000 en banque, c'est énorme en fait. C'est énorme, ouais. C'est énorme. Voilà, je n'ai pas pu le donner, je voulais le donner au mec, mais il fallait que j'aille retirer, j'avais la flemme. Ok, bon, bah, mon drague, merci. Et puis, on essaie d'en refaire une demain ou après-demain. Ok, ça te va? Ouais, c'est parti. Continue. Allez, ciao, à plus tard. À plus.